Attenzione!
On a fait ce rassemblement aujourd'hui pour crier notre solidarité avec les prisonniers politiques au Maroc. Parce que aujourd'hui, partout au Maroc, il y a des prisonniers politiques, du Rif jusqu'au Sud. Pourquoi ? Parce que le régime veut être le seul à contrôler toutes les richesses du pays sans être partagé. Et ce rassemblement, c'est pour sensibiliser à ce qui se passe actuellement au Maroc, là où il y a plus de 2000 prisonniers politiques et grande partie sont du Rif, mais aussi d'autres régions. Alors, une partie des prisonniers politiques, ils étaient arrêtés, ils se sont fait torturer par le régime. Et il y en a qui accusent le régime d'être violés quand ils étaient auditionnés par la police marocaine. Et ça, il est admissible. En 2018, arrêter, emprisonner et violer les opposants politiques. C'est pourquoi on a fait cette action pour dénoncer ces attaques aux droits humains, à la liberté de la presse au Maroc, mais aussi pour sensibiliser à une marche qu'on peut faire ensemble avec d'autres organisations qui vont se rejoindre notre appel dans les environs du 20 juin à Bruxelles. Alors qu'il s'agit là, c'est ça avec les rênes. Libérez les prisonniers politiques au Maroc, 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 libérez les prisonniers politiques au Maroc,
libérés, prisonniers politiques au Maroc, libérés, prisonniers politiques au Maroc, libérés, libérez les prisonniers politiques au Maroc, 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 libérez politique au Maroc, libéré les prisonniers politiques au Maroc. باش ممكن تقربوا شويه هنا باش Ik zeg opstaan, luilakker. Libérez,
avec force à leurs revendications
on le torturera, on torturera hommes, femmes, enfants, vieillards, sans faire de différence entre tous ces gens-là. Tout ce qui les intéresse, c'est d'imposer son autorité autocrate à tous les peuples marocains. Alors nous, on est là pour dire qu'on est contre pouvoir assassin, pouvoir marocain, 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 pouvoir assassin, libérer les prisonniers politiques au Maroc, 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 libérer les prisonniers politiques قتلوهم عدموهم ولا الشعب يخلفوهم 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 قتلوهم عدموهم قتلوهم عدموهم ولاد الشعب يخلفوهم سجنوهم اعتقلوهم ولاد الشعب يخلفوهم قتلوهم عدموهم ولاد الشعب يخلفوهم سجنوهم 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 عدموهم ولاد الشعب يخلفوهم عاش الشعب عاش الشعب عاش الشعب عاش الريف عاش الريف عاش الشعب عاش الشعب عاش الشعب وعاش عاش الشعب وعاش عاش غالب ماشي او باش غالب ماشي او باش عاش الشعب وعاش عاش عاش الشعب وعاش عاش الغربة ماشي أو باش الغربة ماشي أو باش جماهير توري توري النظام ديكتاتوري 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 جماهير توري توري ديكتاتوري النظام ديكتاتوري جماهير توري توري النظام ديكتاتوري جماهير توري توري النظام ديكتاتوري Let's go!
جلالة الشعب جلالة الشعب فخامة
ماشي او باش الوافه ماشي او باش الوافه ماشي او باش Libérez les prisonniers politiques au Maroc. 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 Libérez les prisonniers Un signe de misère, un signe de répression, liberté, démocratie pour le peuple marocain. Un signe de misère, un signe de répression, liberté, démocratie pour le peuple marocain. Un signe de misère, un signe de répression, liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression, liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression, liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère. Assez de répression. Liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère. Assez de répression. Liberté, démocratie pour le peuple marocain. Solidarité avec 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 le peuple politique au Maroc. C'est important que Coquille, à chaque fois qu'on a l'occasion, notre solidarité avec les prisonniers politiques au Maroc, là où aujourd'hui ils sont arrivés à être plus de 2000 prisonniers politiques qui se font harceler, torturé et maltraité par des forces répressives marocaines, tout ça parce qu'ils réclament le droit d'avoir une université à Hosoma ou un hôpital universitaire, surtout pour les malades de cancer, mais aussi ceux de Jarada qui réclament leur droit au travail, ceux des Agora qui réclament leur droit à l'eau potable pendant l'été passé. Il y en a énormément qui se trouvent derrière les barreaux, sur des nègres qui font un sitting depuis 2011 pour réclamer le partage des richesses de la région et le développement de la région, là où il y a le premier menu d'argent en Afrique, mais le deuxième au niveau mondial, exploité par l'Holding Royal. Solidarité avec le peuple marocain. 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 Sobroxel El Husseina, solidarité. Dobroxel El Husseina, solidarité. Dobroxel El Husseina, solidarité. De Bruxelles, Sema, solidarité. De Bruxelles, Najrada, solidarité. De Bruxelles, Najrada, solidarité. De Bruxelles, Zagora, solidarité. De Bruxelles, Zagora, solidarité. De Bruxelles, Zagora, solidarité. De Bruxelles, Imedre, solidarité. De Bruxelles, Imedre, solidarité. De Bruxelles, Rachidia, solidarité. De Bruxelles, Rachidia, solidarité. Stop à la répression des prisonniers politiques au Maroc. Stop à la répression des mouvements sociaux au Maroc. Stop à la répression des journalistes libres qui se trouvent derrière les barreaux, mais aussi leurs journaux qui se trouvent encerclés
Les pertes échelées par des forces répressives marocaines y ont fermé à la fin. Alors, parce qu'on parle que des prisonniers politiques, mais aussi des journalistes qui se trouvent libérés au Maroc, il y en a pas mal de journalistes libres qui créent des dossiers, bien qui font du travail d'investigation sur ce qui se passe au Maroc, qui se trouvent derrière les barreaux, tout simplement parce que leur article ne plaisent pas au régime, ils ne font pas d'éloge au régime marocain, alors le régime n'a pas d'autre chose à faire que de les arrêter et les emprisonner, en leur collant souvent des dossiers farfelus. نادل طلع إقصاء نادل ضد هميش نادل نادل يا ما نادل ضد الإقصاء نادل ضد هميش نادل ضد الحجرة نادل نادل يا ما نادل من أجل الكرامة نادل من أجل الحرية نادل ضد هميش نادل ضد الإقصاء حسين الصامدة تحية نضالية حسين الصامدة تحية نضالية جراد الصامدة تحية نضالية جراد الصامدة تحية نضالية جماهير الشعبية 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 تحية نضالية يا نظام يا صهيون معتقل في العيون يا نظام يا صهيون معتقل في العيون يا نظام يا صهيون معتقل في العيون المعتقل في العيون يا نظام يا صهيون المعتقل في العيون يا نظام يا صهيون المعتقل في العيون يا نظام يا صهيون نظام يا صهيون المعتقل في العيون يا نظام يا صهيون Alors quand on parle des prisonniers politiques, on a parlé du Sidi Husseina, c'est de Jarada, de Zagora, d'Imidor, de Rachidia, c'est de Bouzakar qui s'était libéré quelques temps après, mais aussi il y a énormément d'étudiants marocains qui réclament la justice sociale, l'accès à l'enseignement gratuit, et, bon, et plus de droits sociaux au pays, qui sont emprisonnés aussi. Alors, on doit créer aussi la solidarité avec les étudiants marocains qu'on considère d'être aussi des prisonniers politiques parce que tout simplement ils réclament leur droit à l'enseignement gratuit et sont emprisonnés et la justice sociale. Mais aussi à travers après leur diplôme parce qu'il y en a énormément de jeunes qui quittent l'université avec un diplôme et qu'ils n'ont rien à faire. Tout simplement passer la Méditerranée, c'est, il a de la chance pour travailler comme exilés économiques en Europe. Et encore, ce n'est pas expulsé qu'il faut après. Libérez les prisonniers politiques au Maroc. 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 Libérez politiques au Maroc, libérez les prisonniers politiques au Maroc, libérez.
libérés. Les prisonniers politiques au Maroc libérés. Les prisonniers politiques. Houssimal Agadir, Majazer, Majazer. 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 من وجدان أكادير مجازير مجازير من سلطة الشرطة مجازير مجازير سلطان أكادير مجازير مجازير رشيديان أكادير مجازير مجازير إميدار أكادير مجازير مجازير حسيمان أكادير Solidarité avec le peuple marocain. 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 Solidarité. Libérez les prisonniers politiques au Maroc. 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 Les prisonniers politiques au Maroc libérés. 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 Politiques au Maroc libérés. Les prisonniers 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 politiques au Maroc. Pouvoir marocain, pouvoir assassin. 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 Assez de répression. Liberté, démocratie pour le peuple marocain. Libérez, libérez.
démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression. Assez de misère, assez de répression. Liberté, démocratie pour le peuple marocain. Liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression. Assez de misère, assez de répression. Liberté, démocratie pour le peuple marocain. Liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression. Assez de misère, assez de répression. Liberté, démocratie pour le peuple marocain. Liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression. Liberté démocratique pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression. Liberté démocratique, assez de répression. Libérez les prisonniers politiques au Maroc. Libérez les prisonniers politiques au Maroc. Libérez les prisonniers politique au Maroc, libérez les prisonniers politiques 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 au Maroc. Les prisonniers politiques au Maroc, libérez 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 les prisonniers politiques au Maroc, libérez. Solidarité avec le peuple marocain, 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 solidarité avec le peuple marocain. 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 Libérez les prisonniers politiques au Maroc. 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 Libérez.
politique au Maroc. Libérer les prisonniers politiques au Maroc. مشينا الرنحزن violent. Parce que n'oublions pas que le deuxième Soyez sans soyez sans soyez sans soyez sans soyez
Libérez les prisonniers politiques au Maroc, 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 libérez les prisonniers politiques au Maroc. Ah, moi je suis marocain et je suis avec le Maroc et je suis avec le RIF et je suis un misérien et j'ai envie pour vous liberté les prisonniers libérés les prisonniers politiques au Maroc libérés assez de misère, assez de répression, assez de misère, assez de répression. Liberté, démocratie pour le peuple marocain. Libérer démocratie pour le peuple marocain. Alors, chers amis, on a encore une demi-heure avant de venir l'action. C'est pourquoi on va faire des speeches. Parce qu'il est important de rappeler pourquoi on a fait ce rassemblement aujourd'hui, notre rassemblement de solidarité avec les prisonniers politiques au Maroc, mais aussi contre le régime répressif marocain qui réprime toute voix qui s'inspire à la liberté, ou bien qui réclame le partage des richesses du pays entre tous les citoyens, ou bien qui dénonce la non-présence des hôpitaux dans des régions, la non-présence des écoles, des universités. Le régime, sa réponse à tous ceux et celles qui sortent de la rue Al-Husseima, Nador, Ojrada, Bizakarn, Zagora, Imidar, Rachidia ou d'autres régions, c'est que la répression des arrestations arbitraires, des accusations farfelues qui sont préparées par l'État pour les coller aux militants, et ça date pas d'aujourd'hui, ça date de l'époque Hassan II, et ça continue. On avait beaucoup de gens qui pensent qu'à l'arrivée de Mohamed VI au pouvoir, il va y avoir des changements. Hélas, il n'y a pas de changement, peut-être de tête, mais en dehors de ça, il n'y a pas de changement. L'État répressif est toujours là, on le voit, c'était Fnet Barbran en 2009, ou 2007 plutôt, où il y avait des viols des jeunes femmes chez elles parce que les habitants de la région réclament le partage des richesses, parce que la région est riche au niveau du poisson. Il se trouve sur l'Atlantique, mais tous les poissons qui sont pêchés dans la région, ils ne sont pas partagés équitablement entre les citoyens. Peut-être même que les citoyens n'ont jamais vu ces poissons. Mais de l'autre côté, le régime a répondu à leurs revendications par la répression de tous celles et ceux qui sont présents ou qui réclament le partage des richesses. Et puis les viols de leurs femmes, leurs filles, pour les intimider plus et les pousser à avoir honte pour ne plus manifester. De 2011, il y a le mouvement du 20 février qui réclame des changements. Le peuple marocain a droit à une constitution octroyée
que le régime avait donné en disant que je vais avoir le changement. Et tous les médias traditionnels, les Maroc capitalistes, parlaient que c'est un vrai changement, c'est une révolution. Et que ce roi, c'est l'exception marocain au sein du parti politique, mais il n'y avait pas d'exception. C'est que tout simplement, l'exception marocain, c'est que c'est un régime autocrate qui continue à vivre et que l'Europe continue à se tenir sans honte, et surtout la France. Parce que le régime marocain représente les intérêts du capitalisme français, et c'est pour ça qu'il continue à être protégé, à être soutenu par la France. Alors nous, aujourd'hui, on voit et on constate qu'il y a un an, plus d'un an et demi maintenant, Al-Husseima, le vendeur du poisson, a été broyé par une peine à ordre. Alors, depuis ce jour-là, il y a des manifestations à Al-Husseima. Le régime a répondu à ces manifestations, ces revendications, par la répression, les arrestations arbitraires, les emprisonnements, des violences sur des militants, et peut-être même des enlèvements. Il y en a beaucoup d'enlèvements que les parents, la famille des prisonniers ne savent pas jusqu'à maintenant, une semaine après, qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé. Mais aussi l'assassinat de Mouad Al-Husseima le 20 juillet 2017, l'année passée. Et puis d'autres, parce qu'il arrive au Mox, il y avait beaucoup de militants, parce que n'oublions pas qu'Al-Husseima, en 2011, il y avait l'assassinat, je pense, de 5 militants du mouvement du 20 février dans une banque, et qu'on a essayé d'accuser d'être des fauteurs de troubles, des gens qui des malfaiteurs. Alors que c'était des militants, c'était des jeunes, parce qu'ils sont tous très jeunes, qui réclament plus de dignité, plus de partage des richesses, du travail. Mais le régime a répondu par leur assassinat en 2011. Et puis ça continue. Il y a beaucoup de militants du mouvement du 20 février qui ont succombé à la répression du régime. À Goulmim, par exemple, en 2016, je pense, il y avait un militant du syndicat des étudiants chômeurs, des diplômés chômeurs, qui a succombé à ses blessures, qui, une semaine après avoir été torturé dans les commissariats de Goulmim. C'est vrai. Et d'autres militants. Et pour nous, il est important de rappeler notre solidarité avec tous ceux ici qui luttent à Al-Husseima, à Rachidia, à Zagoura, à Emider, à Bizakern, aux d'autres régions du Maroc. On ne fait pas de discrimination entre les opprimés qui réclament leur droit à la dignité, à la justice sociale. Même si on est solidaire avec ceux qui ne sortent pas parce qu'ils ont peur d'avoir le même sort, d'avoir le même sort que ceux qui se trouvent dans le présent. C'est pour ça qu'on leur dit d'ici, de Bruxelles, qu'on est solidaire avec tous ceux et celles qui sont opprimés, non pas qu'au Maroc, mais partout dans le monde, parce qu'il est important que notre solidarité soit internationale et qu'on est solidaire avec tous les opprimés, avec tous les prisonniers politiques partout dans le monde, et que la justice sociale, ici, là-bas ou ailleurs, doit être notre combat de tous les jours. Alors, ceux qui veulent prendre la parole, ils sont les bienvenus parce qu'on a un micro ouvert et chacun est libre de dire ce qu'il pense. Et il n'y a que lui qui va juger par ce qu'il a dit. Merci. Je remercie tout d'abord donc l'Observatoire européen pour la démocratie et la paix. Après avoir lancé l'appel pour une réunion solidaire et unitaire, nous avons répondu volontairement. Alors, les revendications sont les suivantes. Pour la libération des prisonniers politiques, stop à la répression des manifestants, toute la lumière sur les assassinats politiques. Pour la démilitarisation de Al-Husseima et contre l'état de siège de Jrada, Rachidia, Zagora et toutes les régions du Maroc, marocaines qui souffrent de la marginalisation. Soutenir les revendications du mouvement, accès à l'eau potable, emploi décent, droits sociaux, services publics, libre, liberté démocratique, droits culturels, justice, l'arrêt du harcèlement des journalistes, toute la lumière sur les assassinats politiques, solidarité internationale, stop à l'exploitation, contre le pillage des richesses par le régime et les entreprises étrangères pour le partage des richesses. Nous ne laissons pas distraire par le soi-disant Union nationale. Oui, à l'union sur base volontaire des travailleurs, des jeunes, des femmes, des exploités pour soutenir les revendications du mouvement. Chers camarades, amis, patriotes,
Cette action, toujours une action unitaire du peuple marocain et des forces progressistes en Europe pour lutter contre la répression du régime. Quotidiennement, il y a de la répression. On arrête les gens, on les condamne entre 10 et 15 ans de détention. Les arrestes, il y a eu 3 assassinats politiques en 2014. Il y a eu 2 assassinats de citoyens comme Mohsin Fikri Al-Hassima et comme Moued à Kenitra. Ils ont été assassinés lâchement. Et donc, voilà ce qu'on appelle aujourd'hui ce qu'on appelle les martyrs de l'Hugra, les martyrs d'humiliation par ce régime. Ce régime qui est de toute manière antipopulaire, antidémocratique, antinational. Aujourd'hui, nous appelons la communauté marocaine à être solidaire avec le peuple marocain. Je vous rappelle qu'il y a une campagne de boycott contre la cherté de la vie. C'est-à-dire que les centrales, l'autre CDLI, et c'est une campagne qui fonctionne très bien. Nous devons boycotter aussi les produits des capitalistes marocains qui exploitent le peuple marocain et qui utilisent le peuple marocain comme chair à canon et comme client. Alors, chers camarades, le mouvement étudiant aujourd'hui est solidaire avec notre action comme nous devons être solidaires avec leur action. Ces camarades ont entamé depuis 2 jours, c'est la 2e jour de grève de la faim, ce sont les militants de l'UNEM, de FES. On peut voir leur photo ici. Donc nous demandons à ce que nous soyons tous solidaires et nous crions tous ensemble, nous sommes solidaires des grévistes, nous sommes solidaires des grévistes. Merci beaucoup et nous devons continuer le combat. N'oublions pas qu'il y a une mobilisation pour le 20 juin. Le 20 juin, c'est la commémoration des émeutes de Casablanca en 1981. Il y a plus de 1000 morts et des disparitions forcées. Nous devons être solidaires et continuer à faire pression pour que le Maroc n'ait plus de prisonniers politiques. Il faut vider les prisons au Maroc. Vive la solidarité avec le peuple marocain. Vive la solidarité internationale. الإخوان لا 15 زشارة أدياس اليزمي الوزير المغرب والبرلمان الأوروبي أتستقبل الأعضاء من المعارضة اللي علاش تقرير حقوق الإنسان المغرب أتسأل اليزمي في حقوق الإنسان ديال المغرب مش كعضو في لجنة محسن فكري في بروكسل نقد الإعلان بأننا نوقف لي بلاس جونغي سوينين عارضك النوت مرة الزغ التحقم نها 15 أمام البرلمان الأوروبي ولا بلاس جونغي وهذا ذي تيري من معلومات إضافية التفهم ذي فيسبوك بلاس جونغي غادي يجي لي زامي نهار 15 البرلمان الأوروبي على فيفا على فيفا أنا ممنوع أوي ممنوع إلا بغيتي نطلب لوتوريزاسيون يفرض عليهم أنا ناخذها لا ما مشينا عندهم أنا غادي نفرضها غادي نفرضها عليهم هو إلا جيت إلا بغيتي نطلبوها أنا إلا بغيتي أجي الجمع العام من بعد راه دابا عندنا الجمع العام أجي تجلس معنا لا ستوندي وما ما جاوبش مرحبا بك جي معنا خليهم يهضروا ولا إل مون با انفيتي ألوغ جو با أجي أنا نعرضك أنا راني عضو منهم أجي معايا ألوغ Il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole. Alors oui, camarades, notre action se dirige vers sa fin. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette action et qui sont solidaires avec les prisonniers politiques au Maroc. Qui sont solidaires avec les prisonniers politiques au Maroc, que notre combat continue. Parce que, n'oublions pas, chers amis, camarades, que cette action ne doit pas être la fin de notre combat. Notre combat doit continuer jusqu'à la libération de tous les.